Meghan Markle a lancé sa nouvelle marque Lifestyle American Riviera Orchard, et un commentateur a suggéré qu'elle devrait s'inspirer de Goop de Gwyneth Paltrow. Il a été conseillé à Meghan Markle de suivre les traces de la star hollywoodienne Gwyneth Paltrow en lançant sa nouvelle marque Lifestyle, American Riviera Orchard, Aero. La duchesse de Sussex a récemment annoncé son entrée dans l'industrie du bien-être et du luxe. Bien que ce que proposera Aero soit encore secret, les rapports suggèrent que cela pourrait aller des accessoires pour animaux de compagnie et des articles ménagers à la marmelade et à la confiture. La chroniqueuse du Guardian, Arwa Madwi, a suggéré que si Meghan veut rivaliser avec la marque à succès de Paltrow, elle devrait envisager de vendre des produits uniques comme les fameuses bougies vaginales de Paltrow. Madwi a écrit. Je suggère à Meghan de sortir un Paltrow et de s'assurer que les produits qu'elle vend sont juste un peu extravagants. Je ne suis pas sûr que Goop aurait eu autant de succès sans ces offres qui ont fait la une des journaux, comme les répulsifs contre les vampires et les bougies vaginales. Paltrow couvre le marché du vagin, mais compte tenu de la propension des Harry à parler de ses régions inférieures, Meghan pourrait toujours lancer une crème pour les tout petits gelés. Madwi avait également d'autres idées pour la marque de Meghan, qui arbore un logo royal sophistiqué qui a fait sourciller après qu'elle et le prince Harry aient quitté la famille royale.